Écoutez ce silence. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une voiture qui me tient énormément à cœur. C'est une Rolls-Royce Down. Pour vous donner un ordre d'idée, la Down, c'est la ligne cabriolet de chez Rolls-Royce. La Wraith étant la coupée, c'est exactement le même intérieur, le même châssis. Sauf que la Down est décapotable. Je vais vous montrer cette voiture. En plus, c'est une édition spéciale. On va en parler dans la vidéo. Ça me faisait vraiment plaisir de vous la montrer parce que vous savez que c'est Rolls et Bentley sont mes marques préférées. Et du coup, je vais faire du mieux que je peux. J'ai pas mon caméraman Alex qui est en Suisse chez sa famille, mais je vais faire du mieux que je peux avec le peu de moyens techniques que j'ai pour essayer de vous transmettre ce que je ressens, le ressenti de la voiture, etc. Et j'espère que ce sera une vidéo qui vous plaira en tout cas. Voilà, c'est un jour pluvieux malheureusement. On peut pas se mettre en décapotable, mais bon, en tout cas, je vais bien faire en sorte de bien vous expliquer, de bien vous montrer, etc. Voilà. Donc du coup, on va commencer par la première partie, qui est la partie essai. Ensuite, on fera l'intérieur et l'extérieur, comme d'habitude. Mais là, voilà, on va vous parler. Enfin, je vais, parce qu'on n'est pas plusieurs non plus. Je vais vous parler de l'essai. Du coup, on parlera évidemment de la configuration extérieure tout à l'heure et de l'intérieur aussi tout à l'heure. C'est une voiture qui est extrêmement silencieuse. Voilà. Donc là, j'ai toutes les vitres fermées, la radio est éteinte. Vous entendez ? Voilà. Pourtant, vous le voyez, on roule, tout va bien. Le toit sur cette voiture est en toile, tout simplement parce que je sais que toutes les grandes marques maintenant utilisent des hardtops qui sont ce qu'ils sont, on va dire. Et en fait, chez Rolls, quand on leur a posé la question, pourquoi vous faites, pourquoi tout simplement vous ne faites pas comme les autres constructeurs à mettre des toits rigides, escamotables. En fait, la réponse de Rolls, ils ont dit que le bruit de la pluie qui tombe sur la capote, c'est quelque chose qui est tellement élégant et tellement sensuel, frérot, qu'il faut pas dénaturer ça avec de la tôle, tac, tac, tac. Ils ont raison, frérot. Ils ont raison. Voilà. Du coup, c'est une voiture, pouvez-vous en servir absolument tous les jours et faire tout ce que vous avez envie de faire avec, tous vos déplacements, etc. Parce que, bon, c'est, ça y est, maintenant, on a enterré cette image de Rolls qui est archaïque, qui est vétuste. Aujourd'hui, Rolls fait partie des grands groupes. Et donc, du coup, maintenant, tout est fiabilisé, c'est comme si vous conduisiez la dernière BM, quoi. C'est exactement la même chose. Sauf que, voilà, c'est siglé autrement. D'ailleurs, tout est différent. Le savoir-faire, je ne dis pas, ferme-la, que BM n'a pas de savoir-faire. Mais, on va dire que le savoir-faire, de Rolls est resté malgré le changement de groupe, etc. Donc, comme je vous disais, c'est une voiture, vous pouvez vous rendre absolument où vous voulez. Elle est hyper fiable, ça marche très bien. Après niveau consommation, etc., ça on verra ça tout à l'heure, c'est pas la question pour le moment. Évidemment, aujourd'hui on va rester que dans Paris pour faire l'essai. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui aimeraient me voir à droite à gauche, etc., pour faire des essais. Malheureusement, je n'en ai pas le temps pour l'instant. Donc du coup, c'est pour ça que de temps en temps je vous fais des petits essais, mais celui-ci va être un peu plus poussé que d'habitude sur de ce que vous avez l'habitude de voir avec moi, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui j'ai quand même le temps, mais j'ai pas non plus le temps d'aller à droite à gauche très très loin avec la voiture. Voilà. Du coup, la position de conduite de la voiture, vous êtes tout de suite haut en fait. Moi je vois ça. Vous êtes haut, vous êtes évidemment extrêmement bien assis. Vous avez une sensation de confort, de sécurité et de puissance qui est propre à chez Rolls. Les volants, je vous rappelle, ont été tous évidemment redessinés. Rolls avait des volants qui étaient extrêmement fins jusqu'à sur la dernière Phantom, les dropheads, etc., dropheads coupés ou les Phantom version limousine. Celle-ci, tout comme je vais klaxonner aussi, tiens voilà, je vais klaxonner aussi, et bref, et donc du coup les volants ont été complètement remodifiés, et maintenant ils sont c'est un vrai volant que vous avez. Moi j'avais aucun problème avec les volants Rolls de l'époque, qui étaient très très fins, la partie de vous savez qui, et donc du coup ça me gênait pas, ça m'a jamais gêlé aussi d'ailleurs.
ça m'a jamais gêné. Et bah, on voit que la circonférence du volant est toujours égale à elle-même, parce que Rolls a toujours fait des très très grands volants. Voilà, ce système un peu de bateau comme ça, très très joli. Du coup, ici, on fait le volant maintenant qu'on est arrêté. Donc, vous avez le logo Rolls qui est ici. Ici, vous avez bah, tout ce qui est limitateur de vitesse, etc. Anti-dépassement, anti ce que vous voulez, etc. Et là, vous avez évidemment toute la radio, voilà. Donc, bah, pour passer donc le son, etc. Là, pour passer sur le téléphone et sur diverses choses. Ça change pas des voitures que vous avez l'habitude de voir. La journée, c'est exactement la même chose. Voilà, sauf que bon, là évidemment, il y a un détail qui a été poussé, c'est-à-dire que le volant est en piano black, donc en bois laqué noir, et il y a une touche de chrome qui s'étend jusqu'ici, etc., qui fait presque le tour du volant. Voilà, j'ai un peu de mal malheureusement avec les volants, les configurations qui sortent de chez Rolls avec les volants noirs. J'aurais préféré qu'ils soient blancs par exemple, ça aurait rappelé, etc. Mais celle-là est une série spéciale, c'est pour ça qu'on va vraiment prendre notre temps pour la regarder. Du coup, pour en revenir vraiment à... Excusez-moi, j'étais en train de roter. Pour en revenir vraiment à comment on se sent dans cette voiture-là, on se sent très bien, on se sent très haut, et on est vraiment dans une configuration où tout est ouvert. C'est-à-dire que même le pare-brise, qui n'est pas très grand, comme vous pouvez regarder, il n'est pas très grand, vous avez une superbe visibilité, etc. Le toit... Maintenant, la voiture, en fait, si vous voulez, elle est très longue, elle est très haute, mais dedans, vous êtes assez confiné. Alors, c'est un sentiment que j'aime beaucoup, que j'aime pas chez d'autres constructeurs, mais Rolls le rendu est fait parfaitement, en fait, parce qu'on se sent, certes, d'accord, oui, on est confiné, mais on est bien, on est à nos aises, etc. Il n'y a pas de sentiment, on va dire, d'étouffement. Et ça, c'est super important, déjà pour les voitures en général, et évidemment pour cette marque. Donc du coup, vraiment, ce qui est fou dans cette voiture, c'est la souplesse de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que même le commodo de clignotant qui se trouve ici est vachement, en fait, même ça, c'est confortable, on va dire. Bon, là, je l'ai fait craquer, mais regardez. Vous voyez, même ça, c'est confortable. La direction, évidemment, malgré qu'elle soit lourde, c'est une voiture qui est assez lourde. Malgré qu'elle soit lourde, bah, elle revient très très bien. Et puis, on n'a pas de gêne, évidemment. Et de la manière, Rolls a toujours été au top là-dessus. On ressent absolument pas que ce soit les désagréments de la route, ou que ça soit, ou que ça soit simplement le fait de tourner le volant, etc. On n'a aucune lourdeur dans la main sur cette voiture-là, puisque tout est fait parfaitement. Donc pour la partie ressenti, on en est là. C'est une voiture sur autoroute qui va se comporter parfaitement. Si je vous dis, c'est comme une série 7 avec toutes les options, sauf que vous êtes dans un petit coupé et que c'est siglé Rolls. Et que évidemment, vous avez différentes options et savoir-faire de la marque qui suivent au fil des années et qui n'a absolument pas perdu... Ça n'a absolument pas perdu de son prestige, on va dire. Voilà. Sur les pavés, évidemment, là on y est, ça se sent absolument pas. Tout va bien. La voiture c'est un bateau. C'est-à-dire que c'est un bateau, mais ferme. On n'est plus sur les Rolls-Royce où là tu te manges un Dodan, tu rebondis encore jusqu'à là-bas. Pas du tout. Là, tu prends un Dodan, tu vas le sentir un tout petit peu, mais c'est vraiment minime. Et ça, c'est vraiment superbe. Donc là, on va en plus maintenant se concentrer un peu sur les autres options de l'intérieur. Donc du coup, le temps qu'on arrive au point de présentation pour l'extérieur, je vais vous faire aussi en roulant quelques options où vous expliquer un peu l'intérieur du mieux que je le peux. Donc, je vous laisse aussi quand même un peu profiter du silence important, frérot. Oh, j'en ai marre que tu dises frérot, trop de frérot, tu le frérot, trop de susmatraque, tu les susmatraque. Attends. C'est pas l'autre, elle me fait une dinguerie, Hercule, Flamingo. Donc en fait, ils ont mis ce feu orange clignotant là, ici. Ok, donc c'est top. C'est top, frérot. C'est top. C'est bien pensé, en tout cas. Franchement, c'est bien pensé. Bah écoutez, je vais aller de ce côté-là. C'est fort, c'est fort, c'est beau, c'est beau. Même quand vous appuyez à demi-pédale, c'est super silencieux. Vraiment, vraiment silencieux. Évidemment, ici, vous avez l'affichage tête haute que malheureusement, vous pouvez peut-être distinguer. Que moi, je vois très bien. Tout ça est évidemment désactivable ici. Donc ici, vous avez
la caméra qui vous sert de voir la nuit, etc. Donc là, ça s'affiche ici une fois que vous l'activez. Donc voilà, tout simplement. Là, vous avez la caméra nocturne. Ensuite, ici, bon, vous avez donc le truc d'obstacle là, quand vous êtes sur l'autoroute. Ici, c'est pareil, le truc de franchissement. Et puis ici aussi, ça doit être la même chose. Enfin, ça, c'est le genre de choses que je vais absolument pas utiliser, que ça soit sur pas seulement chez Rolls, hein, dans toutes les, on va dire voilà, dans toutes les voitures, même quand j'ai des, quand j'ai des trajets, quand j'ai des trajets à faire, etc. Même des longs trajets, je me sers pas de ces choses-là. Voilà, tout simplement. Mais elles y sont, etc. Ici, donc panel, là vous montez, enfin là vous baissez, là vous montez la luminosité des compteurs, etc. Ici vous avez les phares, donc ici vous coupez, ici automatique, et ici après c'est à vous de gérer tranquille. Ça c'est pour ce qui est de la partie un peu des phares, etc. Ici c'est le même principe que chez Bentley, les bouches d'aération. Ici fermé, ici ouverte, et c'est à chaque fois la même chose pour gérer la clim, le chauffage, etc. Du coup, ça c'est super souple, c'est-à-dire que c'est une voiture, même si c'est extrêmement lourd, ça reste vachement souple, et ça c'est une très très bonne chose, parce que mais Rolls, de toutes les manières, hein, quoi qu'il arrive, Rolls a toujours été souple, donc ça c'est vraiment cool. Ici vous avez donc les essuie-glaces qui sont là. Donc c'est comme toutes les voitures, une fois en bas ça met un coup, et plus vous montez, plus ça choisit, plus vous choisissez l'intensité à laquelle vous voulez mettre les essuie-glaces. Ici vous avez une petite molette, pour monter et descendre le volant, etc. Donc là vous le rentrez, là vous le sortez, là vous le montez, là vous le descendez, etc. Ici donc vous avez le sélecteur de vitesse qui est vraiment propre à Rolls. Maintenant ils font ça aussi chez Mercedes, etc. depuis quand même pas mal d'années, mais bon, Rolls de toute façon ça a toujours été ici, puis ça reste mythique. Donc je trouverais ça même bizarre que demain ils nous pondent un truc avec un machin ici, non. Donc voilà, tout simplement, une fois pour mettre sur parking, vous appuyez une fois, sinon pour mettre la marche arrière, vous montez, ensuite vous descendez, etc. Donc ça c'est pour ce qui est de la partie boîte de vitesse. Ici évidemment le frein à main. Donc avec le frein automatique, une fois vous tirez, ça le met, une fois vous le baissez, ça l'enlève, etc. Non mais je vais quand même passer en fait. Donc toi tu veux passer. Ok, c'est vraiment... Ok, en fait tout le monde passe. Okay, on va laisser les gens passer. Alors, comme ça au moins, moi je peux continuer mon truc. Ici donc vous avez les caméras, l'aide au stationnement ici à droite. Ici vous avez le démarrage. Donc la clé est ici, que vous pouvez évidemment garder dans la poche, etc. Je vous la montrerai tout à l'heure. Donc vous appuyez, ça démarre, etc. C'est un start, c'est comme sur les autres voitures, on va dire. Maintenant, je sais que vous êtes en train de regarder un peu, la composition en fait du tableau de bord. Alors c'est pas du carbone, c'est quelque chose. Voilà, c'est quelque chose, tout simplement. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très joli. Et ça, c'est important. Et ça vient évidemment. C'est à vous de le configurer, vous pouvez mettre du bois, vous pouvez mettre du bois laqué, vous pouvez mettre du bois très clair, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, etc. Le catalogue Rolls est vraiment super large à ce niveau-là et super enrichi à ce niveau-là. Donc ça, c'est normal parce que c'est des voitures que vous pouvez configurer vraiment de A à Z, tout exactement comme vous le voulez en fait, voilà, tout simplement. Vous pouvez même, si l'envie vous en prend, et je pense que ça doit être possible, pour voir avec les commerciaux, mais bon, s'ils doivent vous le faire. Si vous avez envie de graver des bits sur tout le tableau de bord, vous pouvez le faire, hein. Avec un petit coup de vernis, ça peut être sympa. Du coup, on arrive aux bouches d'aération de la clim. En bas, vous avez la radio, donc avec les boutons, etc. Très joli, si vous pouvez quand même avoir la possibilité de mettre un CD, frérot. Voilà, et puis si vous arrivez... l'ordinateur de bord qui fait office d'écran pour la radio, pour la navigation, pour tout ce que vous avez envie. Évidemment entièrement configurable, bon, c'est pas compliqué, puis ça se gère d'ici. Voilà. Ça se gère d'ici, ici vous avez les options, voilà, écran partagé, machin, fermer l'écran, donc vous fermez, tac, ça se ferme comme ça. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi gérer le fait que l'insigne Rolls monte et descende, c'est à votre discrétion, ça vous fait plaisir. Ici, donc, vous avez l'horloge qui est très très belle avec le signe, frérot, de la Black Badge, c'est très très joli. Et voilà, tout simplement. Donc, vous avez
l'horloge qui est ici. Généralement, dans certains modèles, enfin dans tous les modèles, sauf les modèles un peu qui sont configurés sur mesure, vous pouvez aussi écrire le modèle de la voiture, donc Phantom, Wraith, Down, etc., qui est juste en dessous de l'horloge. Et voilà, ici à droite, le bouton de la boîte à gants, que je vous montrerai si ça vous fait plaisir tout à l'heure quand on se sera arrêté. Et puis après, voilà, hein, après c'est vraiment, c'est classique à ce que vous connaissez. Ici, vous gérez la clim. Donc évidemment, il y a une clim que vous pouvez configurer de A à Z vraiment à votre discrétion. Donc mettre plus chaud, plus froid, etc. Et puis ici, soft, machin, médium, etc. C'est une clim de ouf. Par contre, ça, l'été, jamais t'auras chaud là-dedans. Ici, bon, donc les sièges ventilés que vous avez là, vous pouvez régler l'intensité. Si t'as chaud au cul, tu peux aussi l'utiliser. Là, si t'as froid au cul, tu peux aussi évidemment l'utiliser. Et ensuite, en bas, vous avez tout ce qui est dégivrage avant, arrière, système de la clim, enfin avec l'AC pour l'éteindre, et ici le recyclage de l'air, etc. Ici, vous l'avez vu à gauche, donc le warning. Ensuite, avec le fermeture centralisée. Ici, vous gérez tout, etc. Et ici, c'est pour décapoter, évidemment, ce qu'on va pas faire sous la pluie, ça serait ridicule. Ici, un petit rangement du Seigneur avec l'allume-cigare. Clac. Et c'est à peu près tout pour la console centrale, ce qui est très bien. Je suis fan, moi, de ces compteurs qui sont sublimes. Ils sont là, ils disent pas un mot, tout va bien. Voilà, ça, c'est chose faite. Ensuite, si vous passez ici, donc vous voyez que là, c'est, vous avez une sorte de petites vitres avec une LED derrière, c'est très joli, le chrome ici évidemment. Alors ça, c'est les enceintes, alors regardez bien, c'est les enceintes qui sont comme ça, faites par Bespoke. Bespoke, ça veut dire que vous avez configuré, je l'ai expliqué déjà dans une autre vidéo. Et puis ici, vous avez la deuxième enceinte qui est juste ici. Voilà, ici vous avez donc le réglage des sièges, tac, 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 tac. Et ici, vous avez donc pour ouvrir les petites vitres à l'arrière, les deux vitres à l'avant. Et puis gérer votre rétro, donc gauche, droite, etc. Là, vous appuyez, ça referme les rétros. Là, vous appuyez encore une fois, ça ouvre les rétros. Et voilà, donc là, c'est pour ce qui est l'avant. On va s'arrêter maintenant bientôt, je l'espère, pour que je puisse vous montrer avec exactitude la configuration de la voiture, le moteur, etc. Malheureusement, il pleut, je suis pas encore le maître du temps pour effacer la pluie. Donc, il faudra malheureusement s'en contenter. Et puis, de toute façon, même, c'est pas très gênant. Voilà, tout simplement. Ici évidemment le rétroviseur. Pas fan moi du gros capteur qu'il y a ici. Je l'aime pas. Bon, ici à gauche vous pouvez mettre les configurations si vous, pour votre garage, ouverture de garage, etc. Ici vous avez donc le bouton SOS et de là vous pouvez gérer toute la luminosité de la voiture intérieure, les lumières, etc. Ensuite là vous avez le toit en tissu qui est là. Ici évidemment le petit miroir pour spoudrer le zen. Et voilà, regardez, notez quand même comment la configuration noir, blanc, et il n'y a pas de démarcation. Ça, c'est vraiment très joli. Voilà, donc on va s'arrêter. Je vais vous montrer un peu l'extérieur et l'intérieur. Et puis, je pense qu'on en aura fini. Ok, c'est bon. Donc, du coup, je suis arrêté. Voilà, donc là, on coupe la voiture. La voiture se déverrouille automatiquement. Ensuite, le volant monte, ça vous le connaissez. Je vous ai dit, là on est sur une présentation du Seigneur. La porte s'ouvre comme ça, porte suicide. Ici vous avez le monogramme down. La porte se ferme comme ça. Alors si vous êtes dans une inclinaison, par exemple vous vous arrêtez en pente, évidemment la porte n'aura pas cette force. Enfin, les vérins n'auront pas assez de force pour ramener la porte et il vous le dit au tableau de bord que l'inclinaison, blablabla, ne permet pas le fait que la porte puisse revenir. C'est une porte qui est quand même assez lourde. Hein. Donc extérieurement, la porte se présente comme ça. Donc ici maintenant, vous arrivez bien à voir les enceintes qui sont là. Et le détail évidemment de la console centrale va jusqu'à la porte qui est ici. Voilà, donc c'est une porte qui s'ouvre, comme je vous l'avais dit, comme ça, porte suicide. Et les sièges donc. Évidemment avec le logo Rolls-Royce gravé ici en surpiqûre blanche. Ici des rappels de blanc partout. Ici la gestion des sièges. Regardez le tapis. Le tapis c'est de la moumoute. Ça c'est d'origine. Oh frère. Voilà. Donc au niveau de l'intérieur, elle se présente comme cela. Ici, vous avez donc les places à l'arrière,
qui sont des réelles, réelles places. Hein. Vous avez des places, vous avez beaucoup de places pour vos jambes, etc. Et ici, évidemment, donc la console arrière qui se poursuit, tac, toujours avec le petit signe du Seigneur qui est ici et des enceintes qui sont là. Voilà, tout simplement. Je vais récupérer les clés pour pas rester kéblo dehors comme un zeub. Donc ça se présente comme ça. Là, d'extérieur, regardez cette configuration. Donc le capot est levé parce que je l'ai ouvert hein, pour le... Regardez ça. On va commencer tout de suite par le moteur. L'insigne est noir hein, sur celle-ci. C'est une black badge. Ici, l'immense cathédrale que vous avez là. Avec l'auto-école qui est passée vraiment à ras de ma bagnole. Salut! Donc vous avez le moteur qui est ici. La cathédrale du Seigneur. Qui est magnifique. Voilà. De l'avant, elle est comme ça. La couleur champagne d'origine, évidemment, est magnifique. Est-ce que vous arrivez à voir sur la vidéo que les phares sont bleus, en fait? Regardez. Les phares sont bleus. Je vais faire un petit plaisir à Alex. La signature lumineuse. Donc là, vous fermez la voiture. Le signe est parti. Là, vous ouvrez la voiture. Le signe ressort. Et la signature lumineuse de Rolls, tout en LED, est là. Sachant que les clignotants sont là. Voilà, tout simplement. Donc, au niveau de l'extérieur, donc de l'avant, elle se présente comme ça. Je vais vous montrer un peu les détails. Ici, vous avez des caméras qui sont là, ici. Tout ce liseré-là est fait à la main chez Rolls. Donc, liseré noir qui est là. Là, vous avez l'ouverture. Là, vous avez le signe Rolls, encore le logo qui est là, tout en noir. Maintenant, les jantes noires et polychrome qui sont vraiment magnifiques. Je vous rappelle que quand la roue tourne, le signe Rolls-Royce reste toujours droit pour que les gens voient la marque une fois que la voiture roule. Le rétro est très grand. Donc vous avez une visibilité qui est parfaite, que ce soit de l'intérieur ou quoi que ce soit. La capote maintenant, en toile magnifique. La voiture est très haute, hein, évidemment. De l'arrière, elle est comme ça. Avec les deux sorties d'échappement qui sont noires. Donc je rappelle juste quelque chose aux pros de l'internet, aux pros de l'immatriculation. En fait, sur les plaques, quand vous voyez un seul W, c'est un véhicule de garage. Et quand vous voyez deux W, c'est des voitures qui sont en train d'être immatriculées en attente de carte grise à la préfecture. Ça, c'est juste parce que je sais que malheureusement, dans les commentaires, certains s'amusent à faire les pros. Alors que malheureusement, il n'y a pas lieu. Voilà, donc la trappe à essence est comme ça. Alors, l'intérieur du coffre, tout en moquette. Là, frérot, c'est sûr que c'est pas Saint-Maclou qui a posé la moquette. Hein. Puis après, vous avez évidemment toute la petite documentation qui est ici. Salousée. Manuel d'utilisateur qui est là. Et puis, comme c'est un cab, vous avez malheureusement ça qui vient ici. Après, bon, bah là, c'est une mallette de nettoyage offerte par la maison. Avec des beaux produits. Voilà. Tout simplement, les amis. Fermeture ici.
Et donc la configuration du noir s'étend jusqu'ici. Hein. Ça aussi, c'est tout noir. Surpiqué, boîte à gants. Moumoute, frère. Voilà. Tout simplement, les amis. Je pense qu'on en a fini. Alors, donc ici, vous pouvez tout gérer. Je vous montre un peu à quoi ressemble la carte. Voilà, ça ressemble à ça. Ce qui est tout à fait parfait. Enfin, c'est parfait, quoi. Et ça reste très élégant aussi. Ensuite, donc là vous avez les applications pour la bagnole, etc. Rolls-Royce, votre véhicule, donc les réglages, les trucs. Ici, vous pouvez monter et descendre le truc. Bon, là, ça vous montre les pneus. Enfin, en fait, vous avez l'ordinateur de bord, tout simplement, qui est positionné ici, les amis. Voilà. C'est comme, cela dit, c'est comme toute autre voiture, hein, de toutes les manières. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous me le dites dans les commentaires. Je vous ferai de plus en plus d'essais poussés comme celui-ci. Bon, c'est vrai qu'on est sur une chaîne où on rigole beaucoup, où mes abonnés, le principe, c'est qu'ils viennent me présenter leur voiture, je la présente à leur place, etc. D'ailleurs, si vous avez envie de le faire, il suffit simplement d'envoyer un mail à akramvlog75@gmail.com ou à akramjuniordaily@gmail.com en mettant deux photos de votre voiture, votre numéro de téléphone et votre disponibilité, en disant si vous êtes loin, près de Paris, etc. Et votre numéro de téléphone, et là on vous rappellera pour que vous passiez sur la chaîne. Mais sinon, oui, je vais vous faire de plus en plus d'essais assez poussés comme ça, parce que malgré que on soit sur une chaîne, comme je l'ai dit, où on rigole beaucoup, on s'amuse, on prend du plaisir et tout, moi ça me fait évidemment toujours plaisir, dans des voitures comme ça, de vous les présenter vraiment proprement, on va dire, mais toujours sans se prendre la tête, parce que ça sert à rien. Voilà, il y aurait eu Alex, je l'aurais bien fourré derrière, mais bon, voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu, les amis. Si vous me cherchez à m'ajouter sur Instagram, c'est Akram Junior, sur Snapchat aussi. Pour adhérer aussi à mon club, qui est en partie dédié à l'automobile, j'ai bien dit en partie, il suffit de s'abonner au compte Instagram Skull Club Paris. Et normalement, vous serez accepté, il n'y aura pas de souci. Voilà, les amis, merci. En tout cas, pour vos j'aime et vos commentaires, ça me fait super plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salous. Akram, t'as pas montré le parapluie? Où ai-je la tête? J'en pige. Parapluis. Allez. Salousse.